Bonjour, je suis Benasseur Wissam, je suis technicien réseau Helpdesk chez Adantech et aujourd'hui je vais vous introduire au cours sur les compagnies. C'est parti. Alors concrètement, on va voir deux types de compagnies ou d'entreprises pour le support informatique. Donc premier cas, vous êtes un technicien support indépendant, vous voulez travailler pour votre compte, pour personne d'autre. Donc, vous allez travailler en solo pour de petits clients, vous allez créer un support basé sur vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous occuper absolument de tout. Vos clients ont maximum 25 machines, parce que sinon, si vous avez par exemple beaucoup de clients avec beaucoup de machines, ce sera impossible à gérer pour vous. Et vous avez à peu près 100 clients maximum, c'est vraiment le maximum. Vous voulez également un bon salaire, parce que tout seul, vous n'allez pas avoir à répartir les tâches, vous allez devoir tout faire tout seul, donc vous garderez le bénéfice pour vous. Et vous voulez du coup, comme je vous le dis, pas de staff ni de techniciens à manager. Alors maintenant, on va voir l'avantage et le désavantage d'être un technicien indépendant dans une entreprise indépendante. Donc, vous avez un bon salaire. C'est quelque chose qui est normal parce que vous travaillez tout seul, vous avez beaucoup de clients. Vous allez manager personne, employer personne, donc vous allez avoir à répartir rien du tout. Vous allez garder tous les bénéfices pour vous. Si vos clients, ils vous apprécient, ils ont confiance en vous, ils vont vous garder pendant des années. Donc ça va vous faire des clients potentiels sur un long terme en fait. On va voir ensuite les désavantages en fait. Le problème c'est que vous êtes tout seul, donc vous n'aurez pas de congé maladie, vous n'aurez pas de vacances. Vous ne pouvez pas partir en vacances parce que vous êtes tout seul et bah, vos clients ils vont pas rester avec personne. C'est compliqué hein, quand on est tout seul de convaincre des clients. D'ailleurs parce qu'on n'a pas de garantie. Demain vous pouvez, je sais pas, tomber gravement malade et vous pourriez pas leur assurer un support. Il y a aussi le fait que vous êtes seul, donc c'est vos idées seules et en général on est meilleur à plusieurs parce qu'on peut partager des idées et avoir la meilleure solution globale. Et vous allez faire toutes les tâches, ce qui est pour moi le pire parce que vous allez vous occuper de serveurs comme vous pouvez tout simplement reset un mot de passe Windows, c'est assez dommage. Alors maintenant, on va voir le cas de figure d'une entreprise non indépendante. Donc votre objectif, c'est de construire un gros business informatique. Donc vous allez vous occuper de beaucoup de clients. Vos clients, ils auront entre 5 et 500 machines minimum. Et vous avez une équipe d'ingénieurs qui vous aide. Cette équipe d'ingénieurs, vous allez l'employer, la manager. Et ça va vous permettre de toucher plus de clients et de faire plus de bénéfices. Alors avoir un gros business, ça a des avantages. Comme le fait que vous allez faire beaucoup de bénéfices, vous aurez beaucoup de récompenses financières parce que vous êtes beaucoup plus grand, votre entreprise est beaucoup plus grande, vous touchez beaucoup plus de clients. Vous pouvez également, éventuellement, demain, vous avez réussi à faire du bénéfice, vous pouvez même vendre votre business. Et vous pouvez, comme c'est votre boîte, vous pouvez avoir un emploi du temps qui est flexible, c'est-à-dire que vous pourrez travailler quand vous voulez, vous pourrez travailler même à mi-temps et faire beaucoup d'argent parce que c'est votre entreprise, c'est votre boîte. Avoir une grosse compagnie, ça a ses avantages, ça aussi ses désavantages. Donc pour vous déjà, vous allez devenir manager, vous étiez technicien, vous allez devenir manager et vous allez devoir employer et manager des techniciens. Vous devez les diriger, leur montrer la voie, leur expliquer le fonctionnement de la boîte, ce genre de choses. C'est compliqué, vous aurez un niveau de stress qui va être plus élevé. Ce qui est normal parce que vous avez des attentes, des objectifs, des résultats, des deadlines. Et du coup, ça va être très important pour vous de savoir gérer votre stress. Voilà, merci d'avoir suivi. Bonjour. Je suis Benasseur Wissam, je suis technicien réseau Helpdesk chez Adantech et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Alors aujourd'hui, on va voir les modèles de travail. Donc on va commencer avec le modèle Breakfix. Donc ce modèle, ça a commencé à peu près en 1990, quand on a commencé à offrir des services IT. Donc quelque chose se cassait et on vous appelait et on vous payait sur le temps passé à réparer cette tâche. Donc vous êtes payé par exemple à réparer, je sais pas, une machine qui ne fonctionne pas ou à upgrade une machine, donc changer une carte, changer un processeur, quelque chose. Donc c'est un service qui est basé sur votre activité et du coup vous ne faites rien tant qu'on ne vous l'a pas contacté. Ensuite, il y a la méthode Managed Service. Donc on va vous payer par mois un certain montant
qui est calculé selon le nombre de machines du client. Et vous allez devoir apporter un support illimité à ces machines, sauf exception. Vous allez devoir apporter donc un support illimité. Vous allez devoir offrir quelques services comme un antivirus, gestion du cloud, des mails. Et c'est une méthode assez utile car elle va vous permettre d'avoir une source de revenus tous les mois. C'est une méthode sûre et c'est la méthode qui est le plus utilisée de nos jours. Alors, pour finir, on va se demander pourquoi cette méthode, donc le Managed Service, elle est meilleure sur le long terme que la méthode Fix Break. C'est parce que vous allez avoir une source de revenus tous les mois. C'est-à-dire que si on prend la méthode Fix Break, qui est la première qu'on a abordée dans cette vidéo, on va prendre par exemple le mois de décembre. Sur le mois de décembre, par exemple, si personne ne vous appelle parce que personne n'a de problème sur sa machine, vous allez gagner absolument zéro. Et du coup, sur les revenus, ça va se faire ressentir. Et donc, la méthode Managed Service, ça va vous permettre d'avoir un revenu tous les mois. La méthode Managed Service aussi, elle va vous permettre d'avoir une valeur pour chaque client. C'est-à-dire que chaque client va prendre la valeur. C'est-à-dire plus le temps va passer et plus vous allez devoir être payé sur le même client. Parce que le client va chercher à se développer, le client va avoir de plus en plus de machines, de plus en plus de demandes de services, parce que si vous faites du bon travail, on va vous en demander plus. Et donc, c'est pour ça que la méthode Managed Service va vous permettre de vous développer en tant que support. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie. Hein. Bonjour, je suis Benasser Wissem, je suis technicien réseau Helpdesk et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo support informatique. C'est parti! Alors aujourd'hui on va voir deux types de services informatiques, donc les plus communs. Donc on va voir d'abord le service à distance ou téléphonique, dépendant de comment vous l'appelez. Donc si vous allez créer un business IT, donc le support IT ça va être la clé de votre business. C'est-à-dire qu'il y a deux différents types de support comme je viens de vous le dire. Et principalement, on va s'attarder sur le support à distance. Donc, on va voir du coup les prix, les types de services, comment ça fonctionne. On voit d'abord que le service à distance, ça va être utilisé par les entreprises pour éviter de se déplacer toutes les deux secondes sur site. C'est un service commun et il va être utilisé par des logiciels à distance. Donc, par exemple, TeamViewer, des logiciels qui permettent aux techniciens de prendre le contrôle de la machine à distance. Donc ça dépendra de votre contrat et de la compagnie où vous êtes, mais dépendant du contrat, donc le support sera illimité ou limité. Donc on va avoir soit tous les jours votre client peut vous appeler pour un problème, ou alors par exemple votre client il peut avoir 5 appels par jour. C'est un exemple. En France, on a un système... Je dis en France parce que c'est vraiment ça diffère hein, selon des endroits, mais en général en France et dans d'autres parties du monde on a un système de ticketing. Donc le ticketing ça va être simplement d'envoyer une espèce de note sur un logiciel avec une valeur, donc c'est-à-dire de 1 à 10 selon est-ce que c'est important ou pas. C'est-à-dire que 10 ça va être le plus important. Et donc le technicien va pouvoir gérer les problèmes les plus importants d'abord. Le support à distance, c'est super pratique, mais ça a ses limites. Des fois, on aura besoin d'une intervention sur site. On peut pas toujours régler le problème à distance, et certains clients attendront de vous un support sur site rigoureux. Par exemple, le client a un problème de carte mère ou de disque dur sur son ordi, l'ordi ne boot pas, il ne pourra pas l'utiliser tout seul. Il va falloir que vous gardiez en tête que votre job, c'est le support. Vous devez être là pour le client sur site, il faut que vous arrangiez avec lui. C'est un problème sinon. Faut garder en tête, comme je vous ai dit, que le support ce n'est pas des tâches de bureau classique. On vous appelle pas pour déplacer des postes, mais pour les installer. Vous n'êtes pas là à faire des tâches ménagères au bureau. C'est la limite du support. Certaines entreprises cachent toutes les tâches informatiques dans le support alors que c'est pas le cas. Il faut vous arranger avec le client.
En étant un travailleur de l'informatique, vous allez pouvoir être amené à signer des contrats de longue durée ou de courte durée. Donc on va vous demander de travailler sur site tous les jours et on va vous demander de gérer un système de ticketing à distance, mais sur site. Ça veut dire que vous allez répondre aux demandes plus ou moins importantes. Par exemple, si Monsieur Gérard a besoin d'un remplacement d'imprimante, ben vous allez devoir vous en occuper. Si une personne ne peut pas signer un contrat ou imprimer un contrat, c'est un problème. Si un ordinateur ne démarre pas, ça va être plus important qu'une imprimante qui imprime pas, parce qu'une personne ne peut pas travailler directement. Donc voilà, c'est à peu près à ce niveau-là qu'on va gérer l'effort sur le support. Merci d'avoir suivi. Je m'appelle Benasser Wissam, je suis technicien réseau chez Adam Tech et aujourd'hui on se retrouve pour voir le support en explication. Alors, tout d'abord, le support informatique c'est quoi ? Donc, le support informatique c'est répondre à des demandes d'incidents ou d'utilisation d'outils informatiques. Donc les tâches qu'on va appeler IMAC ne rentrent pas dans cette catégorie. Alors, vous me direz sûrement, les tâches IMAC c'est quoi ? Alors, c'est toutes les tâches qui ne rentrent pas dans la catégorie support informatique. Donc en fait, en général, ce sont des tâches de déplacement, d'installation ou de changement de matériel qui ne sont pas considérées comme une demande d'incident, un problème. Le client doit payer des frais supplémentaires pour ces tâches. Mais ne soyez pas trop strict avec le fait de devoir faire ce genre de tâches supplémentaires, car cela peut atténuer la confiance avec le client. Les clients n'aiment pas payer des frais supplémentaires, c'est connu, pour des tâches qu'ils jugent IT. C'est-à-dire que vous, pour vous, ce n'est pas du support de déplacer un ordinateur ou d'installer Excel 2019, mais pour eux, c'est du support. Le support, ça doit pour vous être les tâches les plus importantes, parce que vous êtes technicien support informatique. C'est rédigé dans votre contrat, mais les tâches IMAC qui durent plus d'une heure doivent être additionnées à des frais supplémentaires conséquents. C'est connu et c'est quelque chose qui restera sur le futur. Dans votre business, vous avez besoin de faire de l'argent. Et donc, les tâches qui ne sont pas comptées dans votre contrat, vous devez elles doivent coûter plus. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je m'appelle Benasser Wissam et aujourd'hui on va voir la maintenance du réseau. C'est parti. Alors la maintenance elle a un effet positif considérable sur une entreprise. Donc, la plupart des boîtes elles ne le savent pas et ne sont pas concernées par l'informatique, mais on peut comparer la maintenance à une voiture. Donc la voiture elle a besoin d'une maintenance régulière car le jour où elle tombe en panne, à cause du manque d'entretien, cela coûtera beaucoup plus que de l'avoir entretenue. Ça fonctionne de la même manière avec un système informatique. On va maintenant voir ce qu'on veut dire par maintenance. Alors, pour moi et pour beaucoup, tous les systèmes ont besoin d'une maintenance pour fonctionner. Un système qui est considéré comme professionnel, il a une maintenance. Il a des techniciens qui s'occupent de la maintenance de celui-ci. Voire des fois, c'est un seul technicien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on a besoin d'une maintenance maintenant. Alors, on va voir d'abord la gestion du serveur et la gestion des PC. Donc, pour commencer, si un serveur par exemple arrive à saturation d'espace, il va s'arrêter de fonctionner. C'est pas ce qu'on veut. Ça peut être évité en mettant un programme sur le serveur qui va nous prévenir en cas de surcharge. Le client n'a pas de problème, vous avez fait votre job. C'est important, on appelle ça la maintenance proactive. Ça veut dire que si vous prévenez le problème, il y aura moins de problèmes pour le client, il sera satisfait. En second temps, on a quelque chose qui s'appelle le contrôle des patchs. Donc, on doit contrôler l'installation des patchs Microsoft, car Microsoft sort régulièrement des mises à jour qui améliorent la sécurité et la fiabilité de leur système. On peut pas laisser le système fonctionner sans ces mises à jour en fait, parce que ça empêche toute forme de travail en fait. Si vous stoppez le serveur d'un coup et que vous avez besoin de mettre à jour, parce que des fois vous pouvez pas travailler sans mettre à jour, et si vous stoppez d'un coup, vous aurez besoin de reboot le serveur, vous aurez besoin de reboot les ordinateurs, ça va empêcher tout le monde de travailler d'un coup en fait. Et une utilisation proactive de la maintenance, vous pouvez simplement envoyer un mail à votre client en disant voilà, ce soir à 20h, on va reboot le serveur pour installer des mises à jour très importantes. Et je peux vous assurer que ça va l'impressionner.
Si votre client a des backups de serveurs, on a besoin de s'en occuper. Donc vous devez vous assurer que les backups fonctionnent pour la récupération d'anciens fichiers, ou même si un jour tout ne fonctionne plus. En fait, les backups, ça va nous servir à revenir en arrière et à récupérer une image du serveur ou d'un ordinateur à un moment où ça a fonctionné, pour voir le problème. Alors, maintenant on va parler de sécurité. Alors, en tant que technicien support, vous avez des logiciels qui vous permettent également d'accéder au PC pour voir s'ils sont à jour, car pour la sécurité, les antivirus doivent être à jour. Vous pourrez demander au client directement d'accéder à son ordinateur ou à son serveur pour mettre à jour les antivirus. Ça s'appelle la gestion proactive. Vous devez vous en occuper en général sur des heures qui sont hors travail, par exemple 20h, et ça va aider le client à travailler. Alors, tout ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on appellera principalement du support actif. Donc pour moi, la maintenance, c'est la clé d'un système qui fonctionne. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, c'est très important. Je vous remercie d'avoir suivi. Je m'appelle Benasser Wissam, je suis technicien réseau chez Anamtech et aujourd'hui, on va voir les services CIO. Votre compagnie est développée, vous avez des clients, mais il manque quelque chose pour que votre compagnie soit encore plus développée. Il vous faut un CIO, donc directeur de l'information et de l'informatique. Donc on va d'abord voir l'exemple pour une compagnie avec environ 1000 employés, un peu moins, un peu plus. Donc une grosse compagnie comme celle-ci, elle va sûrement employer un CIO, donc un directeur de l'informatique. Cette personne-là va pas faire du support, mais elle va manager l'informatique en général. Donc les qualités de cette personne, c'est qu'elle comprend les objectifs sur le court et le long terme de la boîte. Il doit toujours penser alors comment l'informatique peut avoir un impact sur le fonctionnement de la boîte. Comment telle personne peut améliorer les choses. Par exemple, disons que vous avez installé Excel 2016 pour tout le monde et qu'il y a une grosse vague de demandes du tutoriel. Vous allez devoir demander, en fait, tout simplement aux utilisateurs qu'est-ce qui va pas, gérer avec les techniciens pour qu'ils donnent des cours, faire en sorte que tout soit réglé parce que sinon les clients ils s'en vont. Parce que les clients ils se sentent délaissés et ça peut arriver très vite. Alors le CEO il va également gérer le budget, les projets et ce genre de choses. Donc maintenant on va voir l'exemple pour les petites boîtes. Donc comment elles gèrent sur ce genre de business. Ben en fait, les petites boîtes, elles vont pas avoir de CEO. Elles vont avoir un directeur virtuel. C'est-à-dire que soit on va avoir des meetings très régulièrement, c'est-à-dire quart de l'année, c'est-à-dire on va avoir tous les 3 mois un meeting, et dépendamment des besoins de l'entreprise, on va avoir un meeting de plus en plus régulier. C'est-à-dire que on va dire que vos clients ont des problèmes réguliers, vous allez avoir des meetings réguliers pour savoir comment corriger ces problèmes. Et c'est pour ça que dans les petites entreprises, on n'a pas besoin d'un CEO. Faut prendre en compte le nombre de salariés, demander comment se passent les choses, réguler le nombre de meetings. Et du coup, avec ça, vous allez avoir une entreprise qui fonctionne correctement. Voilà, donc on a vu 2 solutions possibles. Engager quelqu'un, gérer en interne. Je m'appelle Benasser Wissam, je suis technicien réseau chez Anamtech et aujourd'hui, on va voir la vente de machines et de logiciels. C'est parti! Alors, lorsque vous vous occupez d'un business, vous allez devoir donc, pour faire de la marge économiquement parlant, vendre des machines et des logiciels. Donc, vous pouvez faire de la marge avec ces ventes, mais le plus important, c'est que cela vienne de vous et pas du client. Parce que les boîtes, elles font beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que les boîtes, elles vont acheter un laptop toute seule et dès que ça va plus marcher, elles vont vous mettre sur le coup. Et c'est un problème. Vous avez la possibilité d'être en contact avec des distributeurs de machines ou logiciels et donc vous achetez directement à ces constructeurs. Donc, on a des exemples de distribution. Vous pouvez taper typiquement sur Google distributeur de produits informatiques et vous pouvez récupérer des logiciels qui sont très performants ou des machines qui vont être performantes et de bonne qualité pour un prix raisonnable pour ensuite faire une marge dessus. Vous êtes un businessman et vous devez faire une marge sur ce que vous vendez. Ça dépendra en grande partie de l'objet vendu et de son prix. Par exemple, si vous vendez un serveur à 17 000 euros,
le pourcentage que vous prendrez ne sera pas au-dessus de 5%. Alors que si vous vendez un laptop, vous pouvez marger à 25%. Il faut expliquer au client pourquoi vous prenez cette marge. Vous devez lui expliquer que le matériel a été choisi avec vos connaissances et qu'il ne va pas vous lâcher en 2 semaines. Parce que sinon, le client il vous dit « proposez-moi un laptop et je vais l'acheter moi-même sur Amazon ». Ça, c'est un problème parce qu'après, le client, le laptop, il va lâcher. Et le client va venir vers vous et vous dire « Ah, bah, vous m'avez conseillé un laptop qui est mauvais ». Et du coup, en tant que businessman, c'est très important que vous vendiez vous-même vos produits car c'est quelque chose qui va vous apporter un gros bénéfice. Voilà, merci d'avoir suivi. Je m'appelle Benasser Wissam, je suis technicien réseau chez Adam Tech et aujourd'hui, on va voir l'hébergement d'email. C'est parti. Alors, on va commencer par parler des clients qui ont toujours des serveurs d'échange anciens. Donc, ils ont toujours ces serveurs à disposition, mais presque tous, ils ont déjà migré vers des serveurs d'hébergement. Donc, comment agir avec une personne qui n'est toujours pas sur un serveur d'hébergement ? Donc, leurs anciens serveurs, ils sont en fin de vie, ils sont anciens, donc vous devez les aider à migrer vers un serveur d'hébergement. Vous allez donc également passer par les emails du client, vous allez les faire transitionner vers un serveur d'hébergement Microsoft. Et la solution la plus populaire, c'est l'échange en ligne avec Microsoft Office 365. C'est un échange hébergé par Microsoft, ça coûte assez cher, il faut un fournisseur pour cela. Et avec cette méthode, vous pouvez faire environ 15% de marge. Donc ça coûte à peu près 4 euros par boîte mail et vous pouvez faire une marge dessus. Normalement, 4 euros, c'est à peu près 3,50 euros, vous pouvez faire 50 centimes de marge dessus. De toute façon, c'est pas énorme. Alors, on va aborder un autre point assez rapide. C'est si jamais votre client est déjà sous Microsoft, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas besoin de transitionner son serveur, vous n'avez pas besoin de le faire migrer. Donc tout simplement, vous allez juste commencer à fournir. C'est-à-dire que le client était déjà fourni en Microsoft. Vous commencez à le fournir en Microsoft et vous touchez une marge. Vous pouvez récupérer donc cette marge, par exemple, vous pouvez récupérer 15% sur ce que vous allez lui fournir. Vous allez lui fournir ce qu'il y avait déjà, mais vous allez juste le fournir par le biais de vos moyens. Le fournisseur CSP que vous aviez déjà, vous allez pouvoir le donner au client et toucher cette marge. Alors, on va voir le dernier point de cette vidéo. Donc, on va voir comment aider un client qui a un hébergement local. Donc, votre client ne veut pas d'un hébergement Microsoft, il veut rester en local avec des serveurs privés, des serveurs qui seront pas des serveurs d'hébergement d'email qui seront à lui, et du coup vous devez l'aider. Donc le client il veut pas utiliser Microsoft ni Office 365, il veut garder son hébergement local. Vous pouvez encore une fois être partenaire avec un fournisseur, donc ce fournisseur va vous donner à peu près 4 euros par boîte mail, il va vous faire payer 4 euros par boîte mail et vous allez à peu près marger, vous allez le faire payer à votre client à peu près 6 euros. C'est une solution qui est locale et qui est beaucoup plus chère, mais vous aurez du coup un peu plus d'incidence sur le support parce que vous pourrez avoir quelque chose de plus physique avec le serveur, avec la boîte d'hébergement, et ça va vous permettre d'être plus efficace dans votre travail. Voilà, merci d'avoir suivi. Je m'appelle Benasser Wissam, je suis technicien réseau chez Adam Tech et aujourd'hui on va voir la sauvegarde et reprise suite à un gros problème. C'est parti! Alors le backup c'est une excellente manière de faire des fonds supplémentaires. Donc le backup c'est quoi? C'est le fait d'avoir une copie de données qui est utilisable si jamais le serveur vient à mourir. Donc avant on mettait chaque soir sur un disque dur les fichiers de l'entreprise et c'était le backup de la boîte. Donc le backup aujourd'hui c'est critique, obligatoire dans une entreprise, et avant on n'avait que les grosses entreprises qui avaient cet avantage de faire des backups. Il y a des vendeurs de backup avec qui vous pouvez faire un partenariat pour les entreprises et votre business. Vous pouvez les empêcher d'avoir des problèmes et surtout vous pouvez gagner de l'argent supplémentaire.
On va d'abord voir la différence entre le backup et un disaster recovery. Donc le backup, c'est une copie de données pour qu'on puisse revenir à ces données si besoin. On a un serveur où il y a des données, un jour ce serveur est détruit, et donc on a besoin, en tant que compagnie informatique, ce serait de remplacer le serveur et servir d'un backup. Maintenant, imaginons que la sauvegarde soit trop éloignée et que le client a besoin de récupérer des données vitales qui ne sont pas dans le backup. Des fois, ce plan de business n'est pas bon. Tout simplement, le backup, c'est pas une bonne solution pour le disaster recovery. Donc, disaster recovery, ça veut dire se relever d'un désastre. Donc, c'est un outil qui va nous permettre d'avoir accès aux données, même si le serveur est mort. C'était très cher avant, mais maintenant tout le monde en a un. On va finir par voir ensuite les vendeurs de backup. Alors, on va finir par voir les vendeurs de backup. Donc, il y a plusieurs exemples. Donc, on a par exemple Microsoft Azure. On a Acronis, Datto. Datto, je vais vous le conseiller. Et ensuite, on va apprendre à s'en servir dans une prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir suivi. Je m'appelle Benassar Wissam, je suis technicien réseau chez Adamtech et aujourd'hui, on va voir les bureaux du virtuel. Dans cette vidéo, nous allons présenter ce que vous pouvez offrir en plus au client. Un bureau virtuel. Votre client n'a pas besoin d'acheter une infrastructure, c'est simple d'utilisation et ça se paye par mois par l'utilisateur. Vous pouvez faire une marge sur le bureau et le support. Vous aurez un nombre de problèmes inférieur pour une marge plus haute. Lorsque vous allez essayer de vous connecter au bureau virtuel, du coup, vous allez avoir une page à peu près similaire à celle-ci. Et donc, vous allez juste taper le mot de passe fourni par l'entreprise. L'entreprise va vous fournir un mot de passe. Et du coup, ensuite, vous allez avoir ce genre d'écran. Alors, une fois que vous êtes connecté du coup sur le bureau, vous pouvez donc observer que, par exemple, vous avez fait un petit screenshot d'un bureau virtuel. Bah, ça revient au même en fait. Vous allez juste avoir un nouveau bureau avec les icônes de travail. Juste que vous aurez l'impression d'avoir un ordi dans votre ordi, c'est tout. Voilà, merci d'avoir suivi. Je m'appelle Benassar Wissam, je suis technicien réseau chez Adamtech et aujourd'hui, on va voir la facturation. C'est parti! Beaucoup d'ordinateurs ont la fonction pour facturer le client. C'est une automatisation des logiciels eux-mêmes. Par exemple, un logiciel de ticketage est automatisé pour certaines tâches, comme fermer les tickets ou assigner à certaines personnes ou l'assigner à des groupes. Or, dans ce cas de figure, on va voir comment on s'occupe pour faire des comptes grâce à un logiciel. Alors, d'abord, on va voir les logiciels pour faire ces choses-là. Alors, ça vous permettra de facturer automatiquement vos clients dans le cloud. C'est possiblement automatisé, comme je vous l'ai dit. Ça va vous faire gagner du temps, de l'argent et ça vous rend plus efficace. Par exemple, le logiciel MSP Manager, il vous permet de rentrer la panne pour le support. Effectuez cela, vos actions pour le support et ça envoie la justification de la facture au client. Ça vous fera gagner du temps et ça empêchera les contestations de facture ou autres problèmes. Maintenant, pour la mise en situation, imaginons que vous avez fait réparer l'imprimante à distance d'un de vos clients. Le logiciel en question enverra au client sous forme de réponse dans le cloud la facture et elle sera transmise à la boîte. Or, c'est assez pratique pour une grosse boîte d'informatique, pour une petite boîte d'informatique, un simple fichier Excel pourrait suffire. Pour les factures, il y a d'autres options comme tenir un QuickBook qui est l'une des solutions les plus anciennes, mais c'est comme le papier, ça va s'éteindre avec le temps. Je vous conseille de prendre une démonstration de chaque méthode de travail pour les factures logicielles car c'est un mode d'emploi très difficile à mettre en place. Ensuite, vous pouvez choisir votre méthode de travail et durer dans le temps. Voilà, merci d'avoir suivi. We'll be right back.
m'appelle Benasser Wissam et aujourd'hui, on va voir le contact client. C'est parti! Alors, quand on commence à avoir des activités marketing, vous allez donner l'envie aux clients d'avoir des informations sur votre business. Et sûrement, les prix aussi. C'est important de s'occuper de ça rapidement parce que sinon, vous allez perdre beaucoup de temps et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce que je veux dire par perdre du temps, c'est que beaucoup de clients vont vous appeler pour avoir les prix pour le support IT. La première chose à réaliser, c'est que les clients ne sont pas des pros de l'informatique. Et beaucoup d'entre eux pensent que l'informatique, c'est une marchandise, alors qu'ils vont comparer plusieurs compagnies pour prendre la moins chère. L'informatique, c'est pas ça. C'est impossible de donner un prix juste au téléphone, donc il ne faut pas donner un prix de base pour du support. Dans un second temps, beaucoup de clients vont vous appeler et demander à ce que vous visitiez leurs infrastructures pour leur donner un prix. Encore une fois, ne rentrez pas directement dans ça, sinon vous allez perdre beaucoup de temps à visiter des clients, qui que ce soit. Il y en a qui ne peuvent pas se payer du support à grande échelle, il y en a qui ne peuvent pas, qui n'ont pas besoin de support à grande échelle, et votre but, c'est de poser des questions dans un premier temps pour ne pas perdre de temps. Vous n'allez pas chercher des clients en dessous de 10 machines, ce n'est clairement pas intéressant pour vous et pour le client lui-même. Comme leur budget est petit, ça ne vaut pas le coup. Le nombre de machines, c'est un code rouge pour votre recherche. Encore, certains clients chercheront à avoir un prix et seront très vagues pour faire baisser le prix de leur fournisseur. C'est aussi un code rouge. Donc, vous allez poser les questions suivantes. Combien de PC avez-vous? Combien de serveurs avez-vous? Quand voulez-vous changer de fournisseur? En prenant les réponses, vous pouvez déterminer les prix pour le support et demander si ça rentre dans le budget du client. Il vaut mieux avoir la discussion sur le prix et le budget car vous allez vous retrouver à envoyer un contrat et la réponse sera « c'est trop cher ». Voilà pourquoi vous devez d'abord parler du prix après les questions. Donc pour conclure, recherchez les codes rouges et regardez si le client a passé votre test. Voilà, merci d'avoir suivi. Bonjour, je m'appelle Benasser Wissam et aujourd'hui on va voir les connaissances de base des logiciels. C'est parti! Comment gérer un client qui a 2 serveurs et 20 postes par serveur? Vous allez poser les questions suivantes. Comment sont gérés les antivirus? Comment les licences Office 365 sont-elles gérées? Comment le backup fonctionne-t-il? Vous devez également connaître les mots de passe des routeurs et des serveurs. Ça fait beaucoup, sachant que c'est pour chaque client. Ce que vous devez avoir en tant que support, c'est un logiciel qui manage ce que vous savez de vos clients. Les mots de passe, les infrastructures, etc. Pouvoir remplacer des fichiers Excel, gagner du temps et être professionnel. Les logiciels comme ITGlue permettent de faire ces tâches. Alors, sachant que vous reprenez le contrôle de la partie IT, vous devez avoir toutes les connaissances pour gérer la partie network. Donc, vous posez donc ces questions qu'on a vues précédemment pour éviter un problème avec l'infrastructure et surtout pour éviter un problème avec le client. Par exemple, imaginons que vous arriviez et que les licences ont expiré le jour de votre arrivée. C'est problématique car il y a confusion dès le premier jour. Des clients seraient capables de vous dire un jour avec vous et il y a un problème. Vérifier les licences, c'est bien, mais il faut également vérifier les backups comme on l'avait vu dans une précédente vidéo. Ce que vous feriez en tant que compagnie informatique, ce serait de remplacer le serveur et te servir du backup pour mettre les données passées. Les logiciels comme Datto le permettent. Ensuite, la vérification des mots de passe pour les routeurs, les pare-feux et les machines permettraient une stabilité sur le network comme on avait vu. C'est très utile. Certaines entreprises le demandent, même si ça reste pour des boîtes assez grandes, mais la surveillance des ordinateurs avec un contrôle des sites et des connexions effectuées peut être demandée. Vous allez également être en charge de tout ce qui est IT progression et régression. On va pas trop rentrer dans les détails. Mais lorsque vous upgradez des machines,
du système, elles doivent être mises en place sur toutes les machines. Une upgrade, elle doit servir pour tout le monde, et pas seulement une ou deux personnes de la boîte. Concernant le pare-feu, vous êtes également la personne qui doit gérer avec la politique de la boîte le blocage de certaines fonctionnalités de Windows et de l'Explorer utilisé. Voilà, merci d'avoir suivi. Je m'appelle Benasser Wissam et aujourd'hui, on va voir les logiciels de ticketing. C'est parti. Plus vous allez grandir et plus votre nombre de clients va grandir. Plus vous allez avoir de demandes de tickets et de support, ce qui est normal. Un ticket sert également à ne pas perdre le contrôle des réponses que vous allez proposer. Mais aussi, il faut voir qu'est-ce qu'un logiciel de ticket. Alors, un logiciel de ticket, ça permet de capturer toutes les informations du tâche en un endroit, communiquer avec les clients grâce au logiciel, garder en vue les tâches et leur durée de vie, et donner aux clients des informations sur le travail à fournir. Vous devez en avoir un au minimum. Maintenant qu'on a les logiciels de ticketing, on se demande c'est quoi le PSA ou SVA. C'est une suite de logiciels mis en place pour une compagnie d'informatique. Cela fait tout pour votre business IT. La différence entre le logiciel de ticketing et le PSA, c'est que le PSA s'occupe de tout alors que le logiciel de ticketing ne gère que le ticketing. Cela permet de s'occuper du ticketing, du billing et des contrats. Les projets comme le CRM, c'est important pour recruter de nouveaux clients. Et quelles options sont disponibles par exemple? On va voir du coup dans cette vidéo également les options. Donc on a le système de tickets Zendesk. C'est la solution la plus populaire, ça coûte environ 5$ par mois. On a GrooveHQ qui est gratuit. Pour le PSA ou SVA comme vous voulez, on a Autotask et ConnectWise, les deux sont plutôt chers mais très efficaces. Alors ma recommandation ce serait MSP Manager, c'est fait par SolarWind, ça coûte 20€ par technicien par mois. Le ticketing est vraiment bon, on peut mettre en place les contrats, on peut ajouter les logiciels comme Xero directement sur le logiciel, on peut également gérer les projets de chaque client. De toute façon, pour conclure, on va juste dire que pour une petite boîte, si vous occupez d'un petit client ou de petits clients, il faudra dans tous les cas des logiciels de ticketing seulement. Et si jamais vous occupez de plus grosses boîtes, à l'échelle même de multinationales, vous aurez besoin de plusieurs techniciens avec plusieurs logiciels de SVA ou de PSA. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Benasser Wissam et aujourd'hui on va voir le meeting client. Alors ce que vous devez savoir en rencontrant le client, c'est que la personne en face de vous, elle va chercher à servir ses intérêts. Vous devez donc savoir certaines choses importantes. Comme le prix de ce que vous facturez pour un service IT, vous devez demander énormément d'informations et poser beaucoup de questions. Vous devez également présenter vos services et demander des informations sur l'infrastructure. Et pour ça, j'ai un exemple de question pour vous. Première question, combien d'utilisateurs y a-t-il dans votre entreprise? Cela vous permettra de voir le nombre de machines et les solutions à apporter. Ensuite, comment voyez-vous l'évolution de votre entreprise au niveau du service informatique? Pourrez-vous situer et savoir comment améliorer l'infrastructure et proposer des services spéciaux plus ou moins? Question numéro 3, utilisez-vous d'autres applications que Microsoft Office? Pourrez savoir ce qui est critique niveau utilisation pour la boîte et si le client a un fournisseur. Question 4, avez-vous des utilisateurs à distance? Ça permet de savoir si une solution comme AnyDesk ou un bureau virtuel est à prévoir. Question numéro 5, avez-vous des backups? Bon, pour ça, je vais vous renvoyer vers la vidéo sur les backups qui explique très bien pourquoi on pose cette question. Question 6, quelles sont vos frustrations avec votre super IT actuel? Quelle est la chose vis-à-vis du support que vous aimeriez faire et que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui avec votre support actuel?
Grâce à ces questions, vous mettez le client à l'aise et vous récoltez le plus d'informations possible. Voilà, merci d'avoir suivi. Bonjour, bienvenue dans la section intégration des clients. C'est une section importante. Les clients vont commencer à vous contacter pour connaître vos services ainsi que pour donner leurs conditions. Ils vont vouloir savoir si vous pouvez répondre à leurs besoins. Il y a beaucoup de leçons à prendre de cette section. Quand un client vous contacte, vous allez d'abord leur dire ce que vous pouvez leur proposer sur site et en ligne, les conditions et surtout le contrat. Voilà, merci. Je m'appelle Benasser Wissam et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Monitoring RMM. C'est parti. Si vous avez seulement un petit nombre de clients, vous devez être capable de vous en occuper avec efficacité. Vous allez commencer à avoir de plus en plus de clients et de plus en plus de serveurs. Ça va être de plus en plus difficile d'être efficace. Un outil RMM vous permettra donc de vous occuper de tout le monde avec efficacité. Ce logiciel doit être installé sur tous les ordinateurs et tous les serveurs. Cela va vous permettre également de patcher les mises à jour, pouvoir monitorer tous les problèmes de fail hardware sur les machines. Imaginons qu'un DPC a un problème logiciel, vous pouvez intervenir dessus sans vous déplacer. Vous occupez des ressources de stockage. Si un disque est plein ou a besoin d'un formatage ou d'une défragmentation, vous êtes capable de faire sur logiciel. Installer et désinstaller les logiciels à distance, un peu comme sur le logiciel Ninit. Ajouter des imprimantes, des scripts, des routines de maintenance. Vous êtes en mesure d'appliquer énormément d'outils pour le serveur ou les machines. Ça vous permettra d'être efficace. On utilise le logiciel Kaseya, une solution de MSP parmi d'autres. C'est un logiciel complet comprenant surveillance, gestion, ticketing, prise en main à distance, parfait pour du support. CentraStage ou SolarWinds sont des logiciels comparables. On utilise principalement une solution MSP pour gérer les problèmes d'un client de manière automatisée et de manière plus rapide. Résultat, une solution rapide et efficace des problèmes d'utilisateurs. Or, des fois, on a également besoin d'intervenir directement en physique, ce qui fait que ce genre de logiciel ne gère pas 100% des cas. Voilà, merci d'avoir suivi.